Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Annie Lemoine, Pierre Bénichoux, Philippe Mandel, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoine et Isabelle Alonso. Tout va bien? Ça s'est bien passé ici à Paris pendant... J'étais absent quelques jours, là, j'étais à Nantes. C'est très sympa, alors, vraiment, cette ville de Nantes. Ah, Nantes, c'est merveilleux. Ah, vous devriez y aller, Pierre. Vous avez vu Lola? Qui c'est film. Lola? Lola, le film. Ah, ça passe à Nantes. Le film de Jacques Demy. Vous allez y aller, vous aussi? Oui, j'y vais en fin de semaine, je suis très content. Ah, moi, j'étais hier soir. Parce il y a une envie. Écoutez, c'est à vous réconcilier, parce que c'est vrai qu'il y en a marre de ce qu'on lit dans les journaux sur la jeunesse. J'ai l'impression que dès qu'on parle des jeunes, on parle des agressions aujourd'hui. Moi, j'ai vu vraiment des tas de jeunes là-bas à Nantes, black, blanc, beurre, des rappeurs, tous les styles, tous les genres, tous les goûts musicaux, dans des lieux incroyables. Voilà une ville qui bouge. Ouais. Et ça vous réconcilie avec la jeunesse par rapport à tout ce qu'on lit dans les journaux, je peux vous le dire. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Je suis d'accord. Je vous jure. Ça ne doit pas être aussi simple que ça, parce que sinon Landreau ne partirait pas de Nantes pour venir à Paris. Ça y est, il ramène tout au Paris Saint-Germain, lui. Hein. C'est important quand même, c'est non? C'est samedi soir, la finale. Vous n'allez pas voir le match? C'est dommage. C'est, mais j'attends ce match depuis 15 ans, j'ai envie de mourir. Parce que moi, je voulais organiser une soirée samedi, où je vous aurais invité, vous, Jean-Luc, pour le PSG, et Pierre pour l'OM. Moi, je ne veux pas y aller avec lui, on va lui faire une telle fessée que c'est pas la peine. On va en reparler, mais passons d'abord à la photo du jour, et cette photo, c'est celle, on reste dans le football, de Zinedine Zidane, puisqu'il a annoncé hier, regardez, c'est le titre du Parisien, « Après le Mondial, j'arrête le foot ». Oh là là! Zidane raccroche les ballons, ça c'est dans Libération. Zidane tire sa révérence pour le Figaro, pour le journal gratuit Métro, c'est tout simplement Zidane s'en va. Zidane, c'est le plus joli titre peut-être de la presse ce matin. Zidane, le crépuscule d'un dieu, dans le journal 20 minutes. Et Zizou est évidemment aussi à la une de l'équipe, le quotidien sportif. Ah, ça c'est pas la bonne photo. J'arrivais à la fin. Ah non! C'est pas la bonne photo, ça, j'arrivais à la fin. Bon, on peut remettre le vrai quand même, c'est mieux Zizou. Quoique, je me demande si tous les titres qu'on vient de voir, ça pouvait pas marcher aussi avec le président de la République. On peut réessayer dans l'autre sens. Regardez, Chirac, après le mondial, j'arrête le foot. Ça marche. Hein? On essaye encore. Chirac tire sa révérence. Ça marche, Dodo aussi, vous voyez, pareil. Chirac s'en va. Hein? On peut l'espérer. Il n'y a que pour un titre que ça marchait pas, regardez. Chirac, le crépuscule d'un dieu, ça, non? Enfin, c'est un bon timing, je trouve, pour annoncer qu'il s'en va. Parce que je trouve que ça Zizou. Va... Bah oui, remarque... Ça va laisser une place à l'équipe de France pour l'abbé Pierre. Non, puis... Non, mais on arrive en pleine période d'affichage pour le film qui lui est consacré. Donc ça va, les gens vont se ruer du coup pour voir ce portrait. Il y a un film qui lui est consacré, oui, qui va être présenté à Cannes. Vous avez raison, vous êtes bien informée, Caroline. Juste un mot quand même. Vous vous rendez compte du plaisir que cet homme-là a donné à des millions de personnes? Mais c'est bizarre, il dit qu'il s'en va. Il n'était pas déjà parti de l'équipe de France. Je me demande s'il ne ferait pas son Jospin en ce moment, Zizou, quand même. Oui, c'est les compagnons de la chanson à lui tout seul, ça je suis d'accord. Non, pas du tout. Il s'en va complètement du football. Ah oui, c'est vrai. Ah ben voilà, vous aviez compris, mais vous vouliez nous prendre pour des idiots. Hein, mais ça fait... Bon, il y a un sujet qui va encore vous énerver, Pierre Bénichoux, outre la retraite de Zizou, Zidane. C'est l'ours slovène Paluma qui a été relâché dans les Pyrénées hier soir, malgré les manifestants anti-ours, qui ont retardé d'ailleurs la libération de la bête sauvage, puisqu'il a fallu lâcher Paluma discrètement dans la nuit, après, regardez ce que nous raconte le Parisien, après un premier lâcher avorté. C'est ce qu'on appelle un ours mal lâché. D'autant qu'on nous dit en plus que c'est une mesure écologique. Et regardez cette photo, on voit que l'ours venu de Slovénie est arrivé dans les Pyrénées sous bonne escorte dans un 4x4. Ah ben en 4x4, c'est super écolo, ça, dis donc. Non mais c'est un peu... Dans les Pyrénées, certains habitants protestent, d'autant qu'il paraît que dès ce matin, Paluma faisait la queue au centre d'aide au logement, au centre d'allocation familiale, à l'agence de sécurité sociale la plus proche et à l'agence nationale pour l'emploi. Enfin ça, c'est De Villiers qui raconte ça. Pierre. Mais c'est une bêtise. Quand on pense que Libération, c'est pas Mickey quand même, Libération, fait une page avec en haut l'ours lâché dans la nuit et en bas Tchernobyl. 16 000 morts, c'est tout, il n'y a rien. Non mais c'est inouï quoi.
connerie du monde. Défendez cette pauvre petite ours. J'ai bien envie, mais celui qui est déjà là, depuis, vous avez vu ce qui est arrivé, il a bouffé deux brebis dimanche et puis il a fallu le tirer avec des ballons. On s'en fout des brebis, on en a, on peut même les cloner. Non, mais il s'approche des habitations. On peut cloner les brebis alors qu'on ne peut pas cloner les ours. Voilà moi ce que je dis. Un mot, Isabelle Alonso. Mais je ne sais plus quoi penser, figurez-vous, avec cette histoire. Pierre est en train de finir par me convaincre. Eh oui, enfin, elle vaut bien. Non, mais c'est vrai. Ça méritait peut-être pas que l'adjointe de Nelly Olin éclate en sanglots non plus, quoi. Ah oui, elle a éclaté en sanglots. C'est peut-être un chouette. Tu t'attaches, tu sais, les ours et tout. Tu les reçois un week-end chez toi. Parce qu'ils ont gâché la fête du lâchage d'ours, donc elle était. Ça l'a contrariée, elle a éclaté en sanglots. C'était dit dans l'article, c'est un peu excessif. Non, mais c'est vrai, dans un pays où tout va bien, comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas s'amuser de temps en temps un peu avec des ours. On passe des ours slovènes au jour Ségolène, puisque ce n'est pas seulement les Pyrénées, mais tout le Parti Socialiste qui est affolé par celle qui aurait commencé à manger tout cru tous les autres candidats du parti. Déjà hier, dans le même journal, Le Parisien, on nous disait que Lionel Jospin était exaspéré par la Royal Mania. Franchement, qu'est-ce qu'il veut, Jospin? Revenir pour que la France s'offre encore un deuxième tour avec Le Pen? À choisir, il faut quand même mieux s'engager dans la Royale que dans la Marine. On revient au football, mais mêlé à la politique, puisqu'en vue du fameux match de samedi soir prochain, on y revient, match qui opposera au Stade de France l'OM au PSG en finale de la Coupe, eh bien le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avait invité hier les deux présidents de club à se réconcilier devant les photographes pour donner l'exemple. Et on voit qu'entre Pierre Blayot, président du PSG, et Pape Diouf, président de l'OM, la poignée de main, franchement, a l'air sympathique. Oui. Non, sincère. Sincère. Franchement, c'est bien simple, on dirait Villepin et Sarkozy qui se serrent la main. Ouais. Prochain grand défi de Sarko pour obtenir une photo de plus, la réconciliation entre Fogiel et Ardisson. Bon, il paraît que de toute façon, pour ce qui est du match de samedi soir, Robert Hossein ayant déjà investi le Stade de France pour son baignure, ça devrait bien se passer, puisque c'est le public qui votera pour décider du score du match. Bon alors, ça vient se passer, c'est une vraie réconciliation entre le PSG et l'OM. Ah oui, mais je pense que grâce à Nicolas Sarkozy, les joueurs vont se faire des bisous sur le terrain, là, c'est sûr. Ouais. Non, je pense que tout le monde veut gagner, et ce qui est important, c'est que ça se passe sur le terrain et pas dans les tribunes. En tout cas, pour les non-supporters, et de l'OM et du PSG, je trouve le geste symbolique important pour que les supporters ne se foutent pas sur la trompe. Ça donne l'exemple. Ouais, ce qui est choquant quand même, c'est que Nicolas Sarkozy en profite pour danser un slow avec Jean-François Lamour derrière. Ah, l'amour, toujours l'amour, qu'est-ce que vous voulez. Allez, on termine avec la sortie cinéma du jour, Camping, le fameux film de Franck Dubosc. On souhaite évidemment pour notre ami Franck qu'il y ait autant la queue devant les salles de cinéma que le soir et le matin à l'heure des douches au bloc sanitaire de tout bon camping qui se respecte. Mais franchement, ça devrait marcher ce film. Regardez le succès qu'a eu Raphaël avec sa chanson Caravane. J'ai appris en lisant le dossier que Dubosc avait fait du camping jusqu'à 36 ans. Oui. Donc il y allait par plaisir pour faire du camping. Oui. On comprend tout. Non, sérieusement. Non, moi j'aime bien le camping sauvage. J'en ai fait 3 fois dans ma vie, 2 jours. Mais le camping... Ah oui, t'aimes beaucoup alors. Hein? T'aimes beaucoup, t'es un aventurier, t'es un baroudeur. Quoi. Le camping sauvage dans les Pyrénées avec Canel et Palouma. Oui. Mais j'en doute aussi, hein. Vous avez souvent fréquenté les villages de tentes. Mais il va falloir arrêter. Mais pourquoi vous voulez faire courir ce bruit? C'est complètement mensonge. C'est pas lui qui le fait courir, c'est tes copines. Je suis bien renseigné quand même. L'invité qui va nous rejoindre maintenant s'appelle Sébastien Bourdet. Il a 27 ans et après avoir été champion en kart et en Formule 3000, c'est en Champ Car, il va nous expliquer exactement ce que c'est, qu'il est devenu un champion incontestable. Le Champ Car, c'est une sorte de Formula américaine. C'est un jeune pilote qui a fait des étincelles aux États-Unis depuis déjà quelques années. Il a obtenu 2 titres consécutifs dans cette discipline, dans l'écurie de M. Paul Newman, rien que ça. C'est déjà un exploit pour un Européen et de surcroît pour un Français. Sébastien Bourdet, bien placé en plus pour remporter un 3e titre, ce qui serait historique. Malgré ses brillants résultats en conduite automobile, aucune écurie de Formule 1 n'a voulu pour l'instant lui donner sa chance, alors que les pilotes français manquent cruellement sur les grilles de départ des Grands Prix de Formule 1. On parle tout le temps de Fernando Alonso, votre compatriote Isabelle Alonso, de Michael Schumacher, mais on n'a plus de pilote français depuis un moment. Alors, est-ce qu'on tient le nouveau Jean Alési, pardon pour lui, plutôt le nouveau Alain Prost, ce serait mieux. Voici Sébastien Bourdet.
bonsoir, bienvenue. Votre modèle, justement, c'était qui? Plutôt Proust, plutôt allez-y, plutôt... Plutôt Senna. Senna, Ayrton Senna. Ah, c'était bon. Comme ça. Ça s'est mal terminé en même temps, hélas. Pour ça s'est mal Senna. Terminé. Parce que c'est dangereux ce que vous faites. Oui, oui, il y a des accidents, mais bon. Et pourtant, c'est votre papa qui vous a poussé à prendre un jour un volant. Alors, ça commence par... La moto, une petite pioui, et puis bon, à 10 ans, le karting. Voilà. Mais il a fallu que je tanne pendant 3 ans à peu près quand même pour qu'il finisse par m'acheter un kart. Pourtant lui-même était pilote, non? Oui, j'ai grandi un petit peu sur les circuits français. Donc, forcément, il a fait les 24 heures du Mans, votre papa, voilà, c'est ça? Plusieurs fois, il a été vice-champion de séries de promotion, autres, diverses et variées. Et, ça, disons qu'au bout d'un moment, forcément, en tant qu'enfant, on veut essayer. Quoi, et je l'ai tanné. Vous arrivez à le convaincre quand même. Vous pouvez pas parler au mien, il veut toujours pas m'acheter de moto. Je pense qu'il voulait, juste s'assurer que c'était vraiment moi qui voulais le faire et pas réaliser son rêve quelque part au travers de moi. C'est votre voiture, ça? Voilà, vous en êtes content? J'aime beaucoup ça. Il est con. Alors. Moi, il y a une chose qui me plaît en vous et que vous avez dit dernièrement, et je comprends pourquoi vous n'avez pas donné un volant en Formule 1. Vous avez dit, je suis bien content, le permis de conduire, je l'ai eu du premier coup. Heureusement, quand même, le permis de conduire du premier coup. Dernière question. On gagne, on sait qu'en Formule 1, quand on a un volant, un bon baquet, comme vous dites, dans une grande écurie, on gagne des sommes folles. Est-ce qu'aux États-Unis, on gagne des sommes comparables ou est-ce que c'est 10 fois moins ou plus ou pas pareil? C'est moins, mais je n'ai pas du tout à me plaindre. D'accord. Pas à se plaindre. Vandel, qui peut-être est celui qui s'y connaît le mieux en F1 sur non. Ce plateau. Ah bah moi, je montrais que je m'y connais. Pourtant, la compétition est rude. Pourtant, la compétition est rude. Les Français, les gens ne savent pas, les Français gagnent tout en sport mécanique auto. Les meilleures marques, c'est Citroën et Peugeot en rallye, c'est Sébastien Loeb qui est champion du monde, c'est Renault qui est champion du monde et c'est Bourdais qui casse la baraque aux États-Unis. Il y a un problème, je vais évoquer le problème, c'est que pourquoi Bourdais n'est pas chez Renault? Vous avez fait des tests chez Renault, mais les infos que j'ai, tout le monde le sait, il était le plus rapide, il n'a pas été choisi. Briator, le patron de Renault, qui est italien, mais qui est le patron, il dit de vous, si personne n'appelle Bourdais, c'est pas de ma faute, il y a une raison. Je vous demande pas tout de suite quelle est la raison. Et lui réplique, j'espère rien de Renault, ils m'ont suffisamment cassé de sucre sur le dos, ils s'amusent à détruire tous les pilotes français, pour quelle raison, je n'en sais rien. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les types se tirent une balle dans le pied? Pourquoi ils vous engagent pas? Et qu'est-ce qu'il y a entre vous? Bon, il y a eu une longue histoire avec Flavio. Je crois que c'est pas le débat est pas là. Histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous qui décidons quel est le débat. J'ai dû refuser un contrat de management avec Flavio. Vraisemblablement, ça l'a énormément offusqué. Depuis, à chaque fois qu'il y a le moindre interview de sa part sur les Français et sur Bourdais en particulier, c'est soit il ferait mieux d'être plus vite et de fermer sa gueule ou quelque chose comme ça. Enfin, il a toujours un mot gentil. Donc aujourd'hui c'est pour ça que comme il est en charge du programme Renault, je dis j'ai rien à attendre de Renault. Je pense avoir prouvé ce que je pouvais. De toute façon j'ai que mes résultats pour parler pour moi. Donc si demain il y a quelque chose qui se passe en Formule 1 pour moi, ça sera super. Pas chez Renault. Si. Bon, chez Renault, je veux dire, les situations évoluent tellement vite, ça pourrait être très bien Renault. Demain, s'il y a un changement de management et qu'il y a un intérêt vraiment de promouvoir un Français qui d'un seul coup est reconnu et désiré, bien sûr que je serai le premier heureux d'y être. Mais pour l'instant, ça semble pas s'orienter comme ça. Donc, Jean-Luc Lemoine. Moi, je trouve normal qu'on vous ait laissé partir parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de bons pilotes français. Et on a eu Paul Belmondo, on a eu plein de gens. David Hallyday. Ouais. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la qualité des pilotes a baissé avec les années? C'est pour ça qu'on leur donne pas de volant ou c'est juste politique? Aujourd'hui, je pense qu'on a une école de pilotage française, une école de formation qui est la meilleure au monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les débouchés sont très limités et qu'à la limite, le fait de produire tant de très bons pilotes, on ne sait pas dire, voilà, c'est celui-là. Allez, on laisse parler un peu des filles quand même, Caroline. Ouais, je voudrais juste une petite question, et vraiment, il n'y a pas de malice. Y a-t-il des pilotes de F1 qui portent des lunettes? Parce que bravo, je vous vois. Je me demandais qui allait poser la question avant moi. Bravo, Caroline. Parce que peut-être qu'ils ont des lentilles, mais est-ce que ça vous handicape pas de vous montrer avec vos lunettes? Si je gagne en Champ Car, que j'ai gagné d'autres titres avant avec des lunettes, je pense que ça remet pas en cause mes capacités. En plus, c'est très bien, c'est un sponsor. C'est Afflelou qui devrait vous donner une voiture. Vous dites les lunettes et tout ça. Et puis t'en as deux, si t'en casses une, t'as l'autre. Annie et puis Isabelle.
Oh non, les filles, elles n'ont droit qu'à une question chacune. Ah oui. Comment on s'est creusé. Oh, bah alors, je retire le numéro de téléphone plutôt. Ah. Oh, mais ça gagne. À ma Lynette, à ma Caroline. Si vous aviez accepté par exemple le titre de pilote d'essai chez BMW et renoncé à vos gains en jump car, est-ce que vous n'auriez pas pu espérer un jour prendre un volant? La vérité, c'est qu'il n'y avait pas d'assurance. Sans prompteur. Il n'y avait pas d'assurance. Elle fait de la phonétique. Hein, je vois bien. Il n'y avait pas d'assurance d'avoir le baquet. Oui, mais justement, vous n'avez pas pris le risque que vous avez préservé vos gains, peut-être. Oui, parce que, non, je ne sais pas, je vous pose la question. Parce que le but, ce n'est pas, de faire un passage éclair et de disparaître. Le but, c'est de rester dans un niveau compétitif dans lequel je m'épanouis. Ils appellent à l'autre, c'est pas perdu. Je peux vous aider, je vous prête mon nom. Ça va vous aider. Épousez-la. Je vais être frère de. Ou alors, je par alliance ou quelque chose. Je vous l'échange alors, parce qu'il paraît que vous êtes très proche de Paul Newman. Alors là, ça commence à devenir. C'est vrai qu'il a des yeux. Racontez-nous quelque chose d'un peu croustillant sur Paul Newman et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Paul Newman, 82 ans. Hein, je rappelle. Et en plus, il nous a fait rencontrer, ça devient plus intéressant pour lui. Julia Roberts. Ah oui, il y a eu Bruce Willis, il y a eu Tom Cruise, il y a eu pas mal. Il vous l'a fait aussi à vous. Ouais. Bon, on va vous souhaiter alors de trouver peut-être dans les deux ans qui, parce qu'après ce sera trop tard, dans les deux ans qui viennent, un volant de Formule 1 en France. Ce serait bien évidemment pour le sport français, parce que c'est ce qui manque à la France pour qu'on s'intéresse encore plus évidemment au Grand Prix de Formule 1 et autrement d'obtenir en tout cas votre troisième titre consécutif. Consécutif, ça ne s'est pas fait depuis 1946. Voilà, donc, aux États-Unis, dans ce championnat de, comment on dit déjà ? Champ Car World Series. Parfait, vous l'avez dit mieux que moi. Voici Jérôme Bonaldi pour la Foire de Paris. Je sais pourquoi vous êtes venu à Paris. C'est parce que vendredi démarre la foire de Paris. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Américains ou de gens qui vivent aux États-Unis qui font le trajet. Spécialement pour ça, si. Pour la foire de Paris. Oui. Pourquoi? Parce qu'on y trouve, au stand de l'innovation en particulier, des choses formidables, par exemple, pour se laver les mains. Il n'y aura bientôt plus de mauvaises excuses pour se laver les mains. Voici un lavabo enfin fait pour les grands. Ça, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est pas pratique. Ça? Le robinet, en tout cas, j'ai le même, c'est vraiment ce genre de robinet. Vous mettez la série que vous voulez, vous mettez des vasques, les grandes, les petites, peu importe, c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est la hauteur du truc. Enfin, pour les grands, on peut se laver les mains quand on est très grand, sans avoir de problème de lumbago. Et quand on est tout petit, aucun problème. C'est ça qui est pas pratique, moi je vous le dis, c'est ça là. Ah oui, ça. Regardez ce qui se passe là. Ça descend. Ça descend. C'est enfin un lavabo qui s'adapte à la hauteur. Tu peux même pisser dedans. Tiers, voilà. Hein, on peut pisser dedans quand même. Et ça peut servir aussi à ça. Ah, mais les enfants avaient des mauvais prétextes pour se laver les dents avant. Ils disaient, je peux pas et tout, je peux pas. Là, regardez, c'est à la hauteur des enfants. Les grands, ils peuvent se laver. Mais c'est un enfer. Moi, j'ai des enfants. C'est un enfer pour qu'ils se lavent les mains. Mais si, un truc comme ça, ils passent la journée à jouer avec le truc. Ça résiste à 400 kg de pression. Ça monte 40 cm sans problème. L'intéressant, c'est que, encore une fois, vous pouvez changer. T'as intérêt d'être bien réveillé le matin. Si tu vois le truc monter et descendre, tu dis, ça peut se télécommander, hein. Oui, mais si tu veux te laver les dents en même temps que ta femme, tu fais comment? Parce que si elle n'a pas la même taille que toi. Tu changes de femme. Alors vous en prenez deux. C'est ça le problème. Vous en prenez deux. Deux femmes? Non, de la maman. C'est ça le problème. Vous prenez de la maman. Allez, autre chose. Non, sérieusement. Tout ce qui est handicap, vous mettez une grande vasque, ça veut dire que vous pouvez lever quand vous arrivez en fauteuil, ensuite vous le baissez pour que ce soit à la hauteur. Pour le fils de Noah, très bien. Mais également pour les handicapés, et même les personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas s'asseoir. Imaginez les toilettes avec la même façon, vous le baissez, vous le mettez dessus, ça vous relève automatiquement. C'est tout bête, mais ça fait un truc. Ça fait un truc très pratique. Je rappelle que nous sommes. Je ne suis jamais resté aussi longtemps dans une salle de bain, il y en a marre. Le four qu'il vous fallait, Sébastien, que même les Américains, ils n'ont pas. Même les Américains. C'est un four. Il fait la télé, non? Il fait la télé? Non, il fait mieux que ça. Vous voulez que c'est prêt, chérie? À table. Hop. Vous le connaissez à peine, vous le dites, chérie, vous. Bravo. Waouh. Ah, là, je commence à m'inquiéter un petit peu. Ça, c'est bluffant. Alors, voilà. Plutôt que d'avoir la porte ici qui s'ouvre, là, ça monte et ça descend. Et ce truc-là qui est vitro-céramique fait chauffe-plat. La chaleur reste en l'air. Pour te brûler, c'est parfait, ça. Ah, c'est génial. La chaleur reste à l'intérieur. Je vous serre. Hop. Voici. Et puis ça, on va le laisser parce que ça reste un peu chaud. Mange pas. Le matin, les croissants sont bien chauds. C'est un vrai four, c'est pas un micro-ondes. C'est un vrai four, avec toutes les fonctions du four. Tout, la pyrolyse, le machin, le speed rapide, etc. Il y a une sécurité, si jamais quelque chose qui bloque, quelque chose qui coince ici, il y a une sécurité. Non, c'est pas mal, ça. C'est vraiment bien, surtout la plaque vitro-céramique chauffante ici, le chauffe-plat.
Ça, c'est l'espace innovation de la Foire de Paris qui ouvre ses portes vendredi. Je sais que vous êtes venu pour ça. On va voir si vous êtes aussi fort en machine à laver. La machine à laver qu'il vous faut. Ça aussi, fabrication. Ah, ça c'est pour les célibataires alors. C'est pour les deux. C'est pour la super spécialiste du lavage. Mais c'est aussi pour vous les célibataires. Pour la super spécialiste du lavage, il y a 27 600 célibataires, lui. Non mais un jour vous serez. Ça, la vous êtes seul. S'appelle Alix. Vous n'avez jamais vu. Vous êtes seul. Vous n'avez jamais vu de machine à laver. C'est elle qui s'en occupait tout le temps, tout le temps. Heureusement, est arrivée celle-là. Bah, elle a de quoi de neuf, votre machine. Ouais, elle a un truc neuf. Parce que là, nous, on a chaud. Bénichou, Bénichou, il est là. Monsieur Bénichou est là. Oui, c'est très bien, mon petit gars. Il sait pas quoi faire avec sa lessive. Il met les chemises dedans, il appuie sur le programme chemise. Et on n'a même pas besoin de lui dire, mais la lessive, parce que, regardez, ici, à côté, livré avec, le réservoir de lessive. C'est-à-dire que vous en mettez le dé de départ, 5 litres, et vous ne manquez jamais. Ce truc-là s'accroche ou se pose, se met par terre, s'accroche contre le mur, et vous avez en permanence la lessive. Une machine à faire du soin. Une machine à mettre dans le tiroir. Une machine à faire du diabolomante. Non mais la clé, on la met dans le tiroir. C'est bien qu'il n'y a plus de tâches obscènes avec la lessive liquide qui tire. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on ne surpasse pas. La machine, automatiquement, en fonction du poids du linge, en fonction de la saleté du linge, dose automatiquement la bonne dose de lessive. Il y a une touche chemise, mais si tu veux laver des chaussettes ou un pantalon avec, tu fais comment? Tu fais la touche automatique. La touche automatique, elle pèse le linge avant, quand il est sec. Elle pèse le linge après, quand il est mouillé, et elle fait la différence. 300 grammes sec, 3 kilos mouillés, tiens, c'est très lourd, donc c'est de la laine. Et elle fait le programme laine. 300 grammes sec, 600 grammes mouillés, tiens, c'est du coton, et elle fait le programme coton. Jérôme, et au moins, j'ai l'esprit tranquille. Pas du tout. Jérôme, pour conclure, juste là, devant la machine à laver, en gros plan, est-ce que vous pourriez me faire... Ça, c'est vrai, ça. C'est bien vrai, ça. Ouais, Jérôme Bonaldi. Et on remercie Sébastien Bourdet pour entrer aux États-Unis. Non, vous vous mariez. Il va se marier. Oui. Eh bien, bon voyage, bon mariage. Merci à vous, Sébastien Bourdet, qu'on vous reverra peut-être au volant d'une Alfa. Merci à vous. Dimanche dernier à Paris, vous les avez peut-être vus, aux actualités en tout cas, 14 cavalières de l'association Le Cheval à Paris ont défilé entre la Porte Dauphine et la Bastille. Et leur but, c'était quoi? Réhabiliter le cheval dans la capitale. Et en faire du cheval un outil de service public au même titre que le bus, le métro ou le tramway. Théoriquement, en effet, rien ne s'oppose à la libre circulation des chevaux dans Paris. Mais force est de constater qu'on en croise rarement des chevaux. Peut-être qu'avec cette manifestation, ou après cette manifestation, puisque je crois qu'une pétition a été déposée à la mairie de Paris, le maire Bertrand Delanoë devra un jour songer à faire des couloirs pour chevaux dans la capitale. Rien n'est encore fait, évidemment, mais pourquoi pas après les transports en commun, les transports en crottin. Puisque, vous allez voir, je n'invente pas, pour parler de ce sujet, nous allons recevoir non seulement une des cavalières qui a fait ce défilé dimanche dernier dans Paris, mais aussi quelqu'un qui était derrière les chevaux, qui est pilote de motocrottin, ça existe, pour ramasser évidemment les crottins derrière ses chevaux et pour laisser les rues propres. Accueillons donc Madame Sybille d'Orgeval, qui était, elle, à cheval, et Bertrand de Miolis, qui lui était en motocrottin. Bon alors ça, des cavaliers et des cavalières, je savais qu'il en existait. Je dois dire que des pilotes de motocrottin, ça c'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui. C'est un métier. Bravo. Mais attention, j'ai découvert en plus, pardon de m'intéresser d'abord au crottin qu'au cheval, mais quand même, j'ai découvert, et là ça m'épate, qu'il y a même des grades et des cas. C'est-à-dire que vous, vous êtes pilote de motocrottin, mais attention, vous ne ramassez pas le crottin. Mais je l'ai ramassé. Ah oui. Mais il faut le temps. J'ai d'abord commencé par ramasser le crottin et puis après ça, j'ai eu le grade supérieur. Vous avez vu la grègue? J'ai eu la grègue et maintenant je pilote et j'ai derrière moi quelqu'un qui est au turbin. Et qui, vous êtes deux sur la moto, comment ça se passe? Mais bien sûr, on est deux sur la moto. Alors, moi je suis devant, je suis l'œil du véhicule, je suis fixé sur le cul du cheval, c'est très important. Lui derrière, qui est là, très très agile de son poignet, il est en avant. Les Français sont vraiment des pilotes de merde, on le disait. Ça vous fait rire, vous aussi? Ah oui, plutôt, parce qu'il y a une sélection drastique, hein, il faut le dire, pour les motocrottins. Il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de candidats.
Et c'est pour ça qu'ils ont été vraiment triés sur le, mais donc, sur le volet. C'est un pognon énorme, parce qu'il faut un cheval, il faut un motocrottin, il faut un pilote, il faut un ramasseur. On cherche des emplois, on dit qu'actuellement, il n'y a pas assez d'emplois, les petits métiers, etc. Je trouve que c'est une réhabilitation extraordinaire. Ah, ça va finir. Il y a trop de chômage. Je pense que c'est très France d'en bas, tout ça, c'est sûr. On reviendra au crottin un peu plus tard, soyons sérieux deux secondes, parce que quand même, le but de cette bien manifestation, sûr, hein, c'était quand même avant tout de sensibiliser l'opinion, on est bien d'accord, sensibiliser l'opinion au fait qu'il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de chevaux, je ne sais pas comment je veux dire, dans la capitale. C'est vrai, et c'est une des seules capitales européennes justement où il n'y a pas de chevaux. Ah, donc, quoi, il y a la garde républicaine, moi je les vois passer régulièrement. Alors voilà, il y a le monopole de la garde républicaine. Oui, c'est honteux. Et donc, c'est honteux parce que moi, souvent, je suis dans Paris, il y a un embouteillage, des enfants qui sortent de l'école, un aveugle qui veut traverser, des gens qui me tapent sur le truc en disant, tout là, je dis, il manque deux ou trois chevaux ici. Combien de fois on se dit ça? Mais c'est vrai, des chevaux dans Paris. Et c'est comme ces conneries avec ces lumières partout. Une bonne bougie, ce serait pas mieux. La marine à voile, ce serait pas mieux. Je suis d'accord avec Pierre. D'autant, Pierre Bénichou, que je vous trouve alors là un peu mesquin pour ne pas dire cavalier. Parce que si ma mémoire est bonne, vous étiez un de ces gentlemen à avoir, il y a quelques années, j'en ai encore le souvenir, emmené Annie Lemoine, qui est en face de vous, se promener, vous promener en calèche dans la ville de Florence, en Italie. Oui, mais c'était à Florence, c'était en Italie, elle était très jeune à l'époque. Pourquoi pas des calèches dans Paris? Parce que, moyen de séduction, de nouveau, parce que Paris est tôt, ça n'existe pas à Paris, c'est la ville romantique par excellence. Je crois que vous avez raison de le dire, il y a un aspect touristique aussi à réintroduire peut-être le cheval dans la capitale, ne serait-ce que pour faire, effectivement, c'est quand même une ville romantique, les bords de Seine, en calèche. On fait bien, écoutez, on coupe bien la circulation pour les rollers, certains week-ends à Paris ou les vélos, pourquoi on ne le ferait pas pour les touristes qui auraient envie de faire ça? Ça prend pas de place, non, les rollers. Il y a une grosse différence, c'est que quand il y a des manifs de motards, ils sont 15 000, quand il y a une manif de cavaliers, ils sont 14. Quand même, il faut bien se rendre compte que c'est un peu ségrégatif, c'est extrêmement, c'est extrêmement élitiste et c'est extrêmement France d'en haut. Je trouve ça formidable, je trouve ça très joli, je trouve ça drôle, je trouve ça hyper rigolo, j'espère juste pas me faire piquer ma gonzesse par Monsieur Crant, mais quand même, c'est pas populaire. Réellement, qu'est-ce que vous voulez réellement? Non, réellement, c'est une réflexion aussi sur la ville, le fait de se dire, on se rend compte qu'on a envie d'une ville qui soit plus humaine, une ville qui prenne un petit peu le temps, et on voit que les animaux, eh bien, pourrait nous donner un petit peu cette lenteur, regarder de nouveau images, la ville, là, vivre de façon beau, différente regardez, que la façon dont on vit, en s'adaptant, nous, à la mécanique. Laurent, ce que je trouve beau, c'est une voiture qui roule, parce qu'en général, elles sont à l'arrêt, dans ce coin-là. Voilà, regardez des chevaux devant l'hôtel de ville, par exemple. C'est pas chouette, ça? Ah, si, c'est chouette. Si, c'est super chouette. C'est vachement bien. Ah, regardez, le ramassage de crottins, très important. Ah, ça, c'est un métier. Moi, je trouve ça très bien, parce que j'aimerais bien voir Philippe Vanel venir avec son poney, déjà. Mais en étant concret, parce que Paris, c'est quand même une ville très polluée, supposons qu'on accepte d'avoir des chevaux dans Paris, est-ce que c'est pour les chevaux? Alors, vous la sentez, non, justement, la question, c'est bien pour les chevaux, c'est aussi de se dire si c'est mauvais pour les chevaux, c'est peut-être, ça veut dire que la ville n'est pas non plus adaptée à des êtres humains. Ah, et c'est peut-être, on est des animaux aussi. Et bien, à ce moment-là, au lieu de que nous, on se conforme à la mécanique et aux voitures, etc., est-ce qu'on n'a pas intérêt à transformer la ville? Quand vous voyez les amendes qu'il y a pour ceux qui ne ramassent pas les crottes de chien, c'est à peu près, je ne sais plus, 138 euros. Là, pour un crottin de cheval, il faut hypothéquer ta maison tout de suite. Parce que c'est pour ça qu'on a des motocrottins. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal à savoir ce que vous voulez vraiment, parce que tout est sur le mode de la plaisanterie. Par exemple, là, c'est quand même un truc qui pourrait se faire, c'est effectivement pour les touristes qui ont envie de se balader dans la capitale en calèche, dans toutes les grandes capitales européennes, ça existe à Rome, ça existe à Londres, voilà, pourquoi pas effectivement à Paris, des fiacres et des calèches. Isabelle. Moi je vous trouve plein d'humour et je trouve que cette idée est très bonne et qu'elle pose une vraie question. Moi j'étais dans la rue l'autre jour et j'ai vu passer deux gendarmes à cheval justement et je trouve que d'un seul coup ça a changé l'ambiance de la rue, tout le monde regardait les chevaux évidemment parce que c'est très inhabituel maintenant, mais c'est vrai qu'on pourrait faire preuve d'un peu d'imagination et utiliser les chevaux pour des tas de choses pour lesquelles on n'y pense peut-être pas. Je pense au transport de personnes âgées ou d'enfants en bas âge ou des choses comme ça. Dans un fiacre. Non, dans un fiacre, évidemment, dans une petite voiture. Les utiliser pour des travaux, pour des choses comme ça. Je ne sais pas. Ça réintroduirait dans la vie de la ville, dans la vie des citadins, quelque chose de différent. Et je trouve que c'est une idée extrêmement séduisante et ça permettrait aussi aux petits citadins de voir des animaux. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est une idée à creuser. Comment tu vas faire circuler tout ça? Déjà, ça ne roule pas à Paris. Où est-ce que tu vas faire circuler tes fiacres? Tu fais des voies pour les chevaux. Commençons par leur trouver une place dans les parcs, déjà. Commençons par ça. Là où ils ont raison, c'est qu'au moins une fois par an, on pourrait ouvrir Paris, une journée. Ouvrir Paris, quoi? 14 juillet. Il y a des chevaux qui c'est déjà fait. Mais non, mais c'est la Saint-Georges. Vous n'êtes pas intervenu, vous, sur ce sujet, Caroline. Alors écoutez, moi je suis prête à leur accorder.
attendez éventuellement le dimanche matin un ou une ou deux petites calèches dans Paris pour les touristes. Le reste du temps, pensez aux gens qui vont au travail et qui ont autre chose à foutre que de rester, même si c'est très joli, coincé derrière le cul d'un cheval. Justement, oui. les gens qui vont au travail, ils ont la mine sombre et morne et triste. Ah, mais c'est vrai, ils préfèrent passer une demi-heure de plus à se prendre éventuellement un peu de crottin sur le pare-brise. Pas du tout. Pour arriver en retard. Si vous dites qu'on préfère aller au bois de Boulogne plutôt que d'aller bosser en usine, c'est sûr. Bah oui. Se promener à cheval. Ou alors, travailler au bois de Boulogne. Non, mais ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est ça. Je veux dire, quand on fait un projet aussi ambitieux, il faut s'attendre à ce qu'on vous pose des questions. Mais il faut transformer. Déjà le voir, c'est déjà bien. Voilà. Allez, on leur accorde une journée par an, vous êtes d'accord? Et une maison du cheval à Paris aussi. Tout ça, vous allez voir qu'ils ont quand même déjà fait quelques adeptes. Je vais vous demander de vous déplacer l'un et l'autre, si vous le voulez bien, à côté de Caroline Diamant, puisque manifestement les deux sièges sont de ce côté-ci. S'il vous plaît, Sybille Dorgeval et Bertrand de Miolis. Le temps que vous installiez aux côtés de Caroline, Sybille et Bertrand, nous allons accueillir Anne-Sophie de la Coquillette. Bonsoir le petit canachon, bonsoir les bourrins, bonsoir les juments, ah, bonjour à tous. Anne-Sophie qui milite elle aussi, hein, il faut bien le dire, Madame de la Coquillette, pour le retour du cheval dans la ville. Mais comment, moi je suis pour, mille fois pour, la réintroduction du cheval dans les villes. Oui. Ah, moi je dis qu'il faut introduire le cheval par tous les moyens. Vous montez vous-même, je suppose. Évidemment, l'ami, et en Amazon, s'il vous plaît. Ah, oui. Ah, avec moi, je peux vous dire que ça cravate du notaire, hein. Ça cravache du tonnerre. Ah, qu'il est bête, à chaque fois que je vous vois, je dérape. Alors, ah oui, non, moi je monte sans arrêt. Ah oui. De par chez moi, évidemment. Même vous circulez à cheval. Sur l'autoroute également. Ah oui. Ah oui, c'est pratique, surtout au péage, hop, sur l'obstacle. Inutile de payer. En revanche, faut faire attention le passe-cognier quand on saute quand même. Ah oui. Surtout que moi, depuis l'affaire des caricatures, je ne mets plus de bombe sur la tête. Hein. Ah, terminé, attendez, j'ai pas envie de me faire vilipender sur la place publique. Mais quand même. Selon vous, et manifestement vous suivez ce que préconisent nos deux invités, le cheval est viable à Paris? Absolument. Et comment? Bon, il suffit de faire quelques aménagements. Moi, je vois sur ma monture, ma monture, je l'ai customisée pour la ville. Ah oui, c'est un cheval tuné, si vous voulez. Il est magnifique, magnifique. Œillères teintées, quatre sabots moteurs, robe métallisée, anus catalytique. C'est merveilleux. Ah, je peux vous dire qu'il en voit. Hein. En tenté que je lui ai fait, c'est sublime. Je vais faire ajouter une boule derrière. Pour ma caravane. Absolument, j'adore ça, moi, aller camper, les grands espaces. La roulotte, même. Bien sûr, j'adore ça, l'attelage, le soleil, les cocotiers. Oh, j'adore la nature. Un argument supplémentaire même auquel n'ont pas pensé nos deux amis, c'est le côté éducatif, le rôle éducatif du cheval pour les jeunes. Ah oui, bien sûr. Eh oui. Le cheval exerce une sorte de fascination sur les jeunes. Eh oui. L'autre jour, j'ai surpris le petit Thomas, qui est un ami de Charles Apollon, une trentaine d'années. Le petit Thomas, debout sur un tabouret, en train d'entourbifler un de mes étalons. Non. Oh, j'étais gênée, j'ai failli l'enlever, puis je me suis dit, allez, tant pis, je laisse Thomas dans les talons, on va pas non plus. Je pars déjeuner, oh là là, je vais quand même... Je l'ai mis en garde, hein, l'enfant, je... quand même, n'allez pas m'engrosser mon cheval. Oh, j'ai failli lui dire, n'envoyez pas la sauce, Thomas, vous serez gentil. Et puis non, j'ai trouvé ça vulgaire. Non, pas du tout. Non. Rassurez. Revenons à notre sujet. Si vous... Bien sûr. Franchement, si vous voulez bien, Anne-Sophie de la Coquillette, est-ce que les chevaux devront respecter le code de la route quand ils circuleront en ville? Ça, c'est une bonne question. Mais oui, mais ils le font sans problème. Vous savez, si le conducteur est habilité à le faire, bien sûr. Alors, le seul problème, c'est pour klaxonner. Ah oui. Ah, ça, c'est embêtant. Alors, moi, ce que je fais, je lui pince les tomates cerises et il est mis. Et il est ni le divin enfant, oui, bien sûr. Vous comprenez? C'est son nom, divin enfant. Ah oui. Mais évidemment, votre cheval. Mais bien sûr, je ne cherche pas à faire des jeux de mots en permanence. Pour qui me prenez-vous? Un humoriste en mal d'inspiration? Non. Mais non, vous pensez, sinon je vous aurais sorti plein de choses, je vous aurais sorti... quand il y en a poulain, il y en a pour deux. Oh, bien sûr. Je vous aurais dit quoi d'autre? Jument ou je lui dis la vérité? Oh, non, oui, attendez. Et puis c'est alors, pas votre genre. Oh non, et puis alors... Destrier, on était tous les deux destrier. Non. Et pour finir, bien sûr, c'est ma crinière. Non. Non, Laura. Non. Bien, vous aimez tous nos amis ici et pourtant vous allez les quitter. Ah, joli, vous m'aidez. En plus, je n'ai pas de chute. Anne-Sophie de la Coquillette. La chute du cheval, c'est très dangereux. La chute du cheval. On remercie les deux. Merci.
Sybille d'Orgeval et Bertrand de Miolis. Le cheval à Paris, pourquoi pas? Trop peu de gens le savent et pourtant c'est une belle fête que nous allons célébrer le 9 mai prochain, celle du 20e anniversaire de l'Europe. Jusqu'alors l'événement passait plutôt inaperçu, chez nous en tout cas en France, mais cette année le gouvernement a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de faire une vraie fête de l'Europe. Au programme, illumination des monuments parisiens, en bleu évidemment, la couleur de l'Europe, des chorales qui chanteront l'hymne européen, des concerts et bien d'autres réjouissances. Par contre, on évitera peut-être la lecture des meilleurs passages de la Constitution de Valéry Giscard d'Estaing qu'on avait proposé au référendum dernier. Pour parler de cette fête de l'Europe, sans ironie, nous allons tout de suite accueillir la ministre déléguée aux Affaires européennes, Madame Catherine Colonna. J'ai tout dit ? J'ai tout dit ! J'étais un bon porte-parole, alors. Excellent, formidable. Excellent, effectivement. Synthétique. Cette fête de l'Europe, on ne la célébrait pas chez nous, il faut bien dire, en France. Dans les autres pays, oui? Dans beaucoup de pays, oui. Européen, évidemment. Européen, oui, c'est le sens de la chose. C'est la fête de l'Europe depuis 20 ans, hein, depuis 1986. Et en effet, en France, on ne s'en apercevait pas complètement. Donc, il nous a semblé que 20 ans, cette année, c'était un bel âge pour commencer à ce qu'on s'en aperçoive mieux. Et puis, qu'on la fête, dignement, positivement, parce qu'elle le mérite. Alors, justement, ceux qui ont voté non pourront quand même fêter l'Europe le 9 mai prochain. Mais je crois qu'il faut, parce que si on veut bien prendre un tout petit peu le temps de la réflexion, et c'est aussi ça le sens de cette fête, et regarder ce que l'Europe a fait depuis non pas 20 ans, mais 50 ans. Elle a fait du bon travail. Sans faire un cours d'histoire, là, mais quand même, un peu de données, quand même, c'est l'Europe de Robert Schuman dont on parle. On peut rappeler un peu les choses. Alors, c'est le 9 mai, en hommage au 9 mai 1950, qui est en effet le jour où le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman... Rien à voir avec Mort Schuman, je le dis pour ni ceux avec qui auraient Maurice, oublié les deux, d'ailleurs. A fait une proposition qui était absolument visionnaire et révolutionnaire, qui a lancé la construction européenne. Voilà, il s'agissait de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier. Alors, je m'arrête là dans la technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que transformer ce qui avait été les outils de la guerre, les instruments de la guerre, le charbon et l'acier, pour faire les canons, en outils de paix. Le pire, c'est que ça a marché. Mais oui, ça a marché. Dès ce moment-là, les gaullistes ont été contre. Vous voyez, c'est marqué. Non, mais dès ce moment-là, non. De Gaulle était contre, c'était Schuman qui était MRP. Vous avez dit que c'était visionnaire. Après ça, c'est revenu. Chirac, De Gaulle disait en sautant comme un cabri, Chirac était contre, tout le monde était contre, et tout d'un coup, ils sont devenus européens. C'est grâce à vous. Je ne dis pas que le président n'était pas né à l'époque, hein, mais on parle de 1950 quand même. 1950, il distribuait les tracts pour le Parti communiste au lycée Condorcet. Un peu après. Je me souviens très bien. Chirac, absolument. Chirac. Mais oui, c'était contre le plan Marshall. Voilà, c'était en 52. Bon, alors donc, je connais bien. Stockholm. Non, mais il n'est pas attendu de s'améliorer. Hein. C'est ce que vous voulez dire. Voilà ce que je voulais vous faire dire. Voilà. Vous, Mme Colonna, vous étiez déjà secrétaire des Affaires étrangères en 83, c'est-à-dire sous l'ère Mitterrand. Là, maintenant, vous êtes sous l'ère Chirac. Lequel des deux présidents, là, c'est la question piège, Mitterrand et Chirac, était le plus européen, finalement? Oh, je suis fonctionnaire, c'est vrai, technocrate, corse, femme, diplomate, donc j'ai tout faux depuis le départ, je sais, merci. J'ai les pieds sur terre, donc j'essaie de faire attention quand même. Chaque président, il est élu par tous les Français. Et donc son devoir, son obligation, son rôle, c'est d'être le président de tous les Français. J'ai eu l'immense honneur et la chance de travailler pendant de très longues années avec le président Jacques Chirac. C'est une expérience absolument unique. Et je voudrais pouvoir démontrer à Pierre Benichou qu'il est très européen, qu'il a fait beaucoup pour faire avancer l'Europe. L'Europe, je le sais, l'euro, mais la défense, comme il d'autres ne, choses comme qu'on il ne l'était pas, c'était normal qu'on vous titille un peu avec ça. Surtout que vous avez travaillé aussi, vous avez eu l'honneur, le plaisir et la joie de travailler avec François Mitterrand. Vous avez vu quand même qu'il était aussi un peu européen, lui. Je ne le connaissais pas. Il a fait de grandes choses pour l'Europe. Ça ne me gêne pas de le dire, tout au contraire. Annie Lemoine. Vous avez sur le plateau quelqu'un de rare, record woman du monde, la longévité, porte-parole présidentielle. C'est une fonction qui est redoutablement difficile, vraiment, c'est très très difficile. Et c'est dire que c'est une femme qui a des nerfs d'acier et qui a fait, vous le disiez, une carrière politique incroyable, parce que gauche, travaillait avec Roland Dumas, Maurice Faure, et droite aussi. Donc vous êtes pour moi un 4x4 de la politique. Ça n'a pas l'air, mais je pense que les racines corses... Un moteur de Rolls dans une apparence de deux chevaux. Non, il y a quelque chose qui ne lâche jamais de très fort. Je ne sais pas si c'est des racines corses, mais c'est un parcours absolument irréprochable. Et... Non, tous les fonctionnaires servent la République. Je le vis, moi, comme un honneur. Vous êtes tout à fait gentil de rappeler des choses
que je ne mérite pas, mais enfin, j'avais fini par être en effet le plus vieux porte-parole d'activité, je me sentais un peu comme un diplodocus, donc pas tout à fait 10 ans, mais 9 et demi, c'est déjà un record du monde. Et parlons quand même des festivités, parce que c'est un jour de fête, oui, le 9 après mai. Tout, c'était pour ça. Vous hein. en avez décidé ainsi, la Tour Eiffel sera illuminée à minuit, je crois qu'elle était déjà illuminée à minuit, la Tour Eiffel. Ah, en bleu, lisez en bien. Bleu. Ah, en bleu. Zéro heure, minuit. Des tickets bleus dans le métro. Et avec les petites lumières, ça représentera quasiment le drapeau européen. Le drapeau européen. Des tickets bleus dans le métro. Tickets bleus dans le métro. Il y a une chose qui m'épate aussi. Ça, c'est festif. C'est à quoi ? C'est festif. Il y a du roller, il y a du tiercé. Vous pouvez aussi aller au cinéma, il y a plein de choses. Et alors vous serez Gare du Nord, alors ça m'épate, pour le départ vers l'Angleterre de l'Eurostar aux couleurs de l'Europe. Vous choisissez la Gare du Nord pour aller en Angleterre où on est encore à la livre sterling. Et on va leur envoyer à Waterloo un train qui va dire « Faites l'Europe ». Donc c'est un peu fait exprès. À Waterloo, on gagne toujours, hein. Mais... il n'y a pas de problème. Vandel. J'ai lu une information dans un très bon hebdomadaire, le Nouvel Obs, qui explique qu'on vous a été promu porte-parole de l'Élysée en 95. Catherine Colonna n'avait jamais rencontré Jacques Chirac. Alors je veux savoir, est-ce que c'est vrai? Et comment, c'est quoi ce foutoir? Comment quelqu'un peut prendre ce bazar, peut prendre comme porte-parole quelqu'un dont il n'a jamais entendu la parole? La réponse est Villepin, non? Hein? On s'est vu juste avant. Il m'a fait cette proposition que j'ai accepté pour porte-parole. Vous ne l'aviez jamais vu avant, c'est vrai. Je ne le connaissais pas avant que cette proposition soit faite, c'est vrai. Dominique de Villepin qui vous a recruté en quelque sorte. Dominique de Villepin, avec lequel j'avais travaillé, Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque et moi servant dans ce ministère. Caroline. J'ai l'impression que j'ai, c'est que, étant donné la situation dans laquelle sont les Français aujourd'hui et le sentiment de malaise qu'on a par rapport à la politique, c'est parfois difficile, quand on a l'impression déjà que son pays n'est pas en pleine forme, de se projeter plus loin et de se projeter donc dans l'Europe en l'occurrence. Et vous qui êtes intelligente, qui avez de l'humour, ce que je ne savais pas, ce que je découvre sur ce plateau, qui êtes éminemment sympathique, à la première question que vous pose Laurent sur lequel des deux présidents est pour vous était le plus européen, vous avez répondu intelligemment, avec de l'humour, mais vous n'avez pas répondu, et vous avez répondu une fois de plus en langue de bois, vous avez parlé de Jacques Chirac, sans répondre à sa question qui était lequel des deux présidents. C'est pas grave, même si on est de droite, on a le droit de reconnaître peut-être qu'un président de gauche a été plus européen que l'autre. C'était juste pour parler de... du problème qu'ont les Français Monsieur avec Copé, la langue de bois. Qui a été porte-parole, lui aussi, a promis et a juré de ne plus pratiquer la langue de bois. C'est aussi pour ça que j'ai rendu hommage à l'action européenne de François Mitterrand. Je crois l'avoir fait, si vous ne l'avez pas entendu, je l'ai refait. Si, si vous l'avez fait. Voilà. Il m'a un peu poussé, c'est vrai. Il vous a bien poussé. Et la deuxième chose par rapport à la fête, moi je trouve que votre fête, quand je lis les détails des festivités, n'a rien de très festif, mais plutôt d'instructif. Mais le sens festif, un peu gai. Bon, il y a un concert, effectivement, à 18h dans les jardins du ministère des Affaires étrangères. Vous voyez, une fête, c'est une fête. Et puis faire un petit avion avec un ticket de métro, non, je vous assure... Non, ma question est, est-ce que vous manquiez d'argent pour faire quelque chose d'un peu plus festif? D'abord, on a le budget habituel et j'ai fait appel à beaucoup de partenaires, j'ai trouvé beaucoup de bonne volonté pour... que des choses se fassent, sinon elles ne seraient pas faites du tout. Ouais. Et puis pour la journée du 9 mai, il y a faiteleurope.fr, et là vous verrez qu'il y a des choses partout, dans toutes les régions, vous allez sur le site, vous cliquez sur votre région, il y a plein de choses très sympas, des chorales, des fêtes dans les rues, qui ne dépendent pas que de moi, parce que sinon ce serait moins drôle, il y a des choses partout en France. Vandel ! Il y a quelque chose en Europe qui sert à la fois de repoussoir et d'enjeu, c'est l'adhésion de la Turquie. Le président est pour, Nicolas Sarkozy est contre, et vous ? Moi, je suis plutôt pour si la Turquie change. En clair, on a intérêt à avoir une Turquie démocratique, moderne, qui rejoint nos valeurs. Si elle peut le faire, ça apportera quelque chose à l'Europe. C'est pas contre pour des raisons géographiques, c'est contre pour l'instant, pour des raisons, on va dire, internes à ça peut apporter beaucoup à l'Europe. Fêtons l'Europe grâce à cette initiative dont Mme Colonna a bien voulu gentiment accepter de parler dans notre émission. Restez encore quelques minutes, on va vous faire jouer. On va regarder si vous avez bien suivi l'actualité depuis ce matin. J'imagine que vous lisez toute la presse, alors vous allez pouvoir accorder vos points gagnants aux membres de l'équipe. Voici le qui a vu quoi. La preuve. Regardez le classement, c'est Perry Cochin qui est en tête avec 275 points, suivi par Philippe Vandel. Annie Lemoine est toujours dans la course. Bon, après, vous avez encore dans la course Isabelle Alonso, Jean-Luc aussi. Caroline Diamant et Pierre Bénichoux ont un peu décroché. Ce serait plutôt eux qui auraient besoin d'aide, hein. Je ne veux pas vous influencer. Alors attention, première photo. De quoi s'agit-il? Ça vaut 10 points. Un rapport avec Tchernobyl. De Tchernobyl, le sarcophage de Tchernobyl.
Bravo, 10 points pour Philippe Vandel. Ah, quand même. Y a-t-il eu mensonge d'État, à votre avis? Je ne dirais pas ça, j'étais aux États-Unis. Oui, mais et le nuage n'est pas arrivé jusque là-bas. Ça, jusque moi, là-bas, c'est non, on en est sûr. C'est moi qui ai inventé le nuage. Ah oui. J'étais une émission chez Polak et il y avait le responsable du nucléaire en France, c'est pas un type très haut placé. Je lui dis, mais vous n'allez quand même pas me dire qu'une frontière arrête un nuage. Il me dit, si. Ça veut dire que c'est de là que c'est venu le truc. Le photo suivante. De qui s'agit-il? Je sais, c'est le patron des RG qui vient d'être limogé par Sarkozy. Parfait, un point. Ah, ah, bien joué, attends. Faut pas répondre trop vite. Oui. Elle n'a pas, ça monte. Elle n'a pas attendu que je donne le nombre de points dans ces cas-là. Elle c'est avait préparé son affaire. Ah là 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 là. Vous avez son nom? Mayos. Voilà. Son prénom. Eh ben, ça fait au moins 2 points. Il a, son prénom. Pascal. Ah non, elle a travaillé. Elle a travaillé. Ah oui, elle a travaillé le sujet. Bravo, oui. Quoi. Allez, 2 points. Ah. Voilà, merci Laurent. Photo suivante. Ah, ça vous dit. Les palourdes. Les palourdes d'Arcachon. Ah, bah. 1 point. Ah, c'est extraordinaire. Allez, une photo à 10 points. Je vous dis d'avance, qui manque sur cette photo? C'est le soutien à l'équipe de France Soir. Ouais. Mais alors, qui manque? Ah oui. Bernard Tapie. Non, il y a eu une fête, effectivement. Oui, ouais. Mais j'ai vu la photo, attendez. Faire parler. Alain Delon. Non. Non, pas du tout. Ah bah, Alain Delon, je crois... Pas Vermus. Pas Vermus, je l'ai dit en premier. Non, je crois que Jean-Luc Lemoyne l'a dit en premier. Je l'ai dit en premier. Non, non, il l'a dit d'abord. Je l'ai dit en premier. Caroline, tu te ridiculises, c'est dommage, il y a ta fille dans le public. On pourrait montrer le replay, Caroline. C'était par là, c'était par là. Madame la ministre a tranché, c'est Jean-Luc Lemoyne qui gagne 10 fois. Caroline, tu me connais, je ne te dirai pas ça. Allez, une dernière photo qui vaut bien, allez, 20 points. Ça, c'est le mec de Caroline Diamant. Non. Non. Mon mari est très séduisant et ce monsieur... Oui, mais la photo, parfois, est moche. Quoi. Alors, attends. Est-ce qu'il est... 20 points. Attends. Est-ce que ça a à voir avec l'art contemporain? Pas du tout. Est-ce qu'il est français? Français, oui. Il est dans la mode? Dans la mode, non. Non, mais j'espère que non. A priori, non. Est-ce qu'il est dans la politique? Non plus. Est-ce qu'il monte à cheval? Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allez, on monte à 30 points parce que manifestement, ça rame. Est-ce que le fond a un rapport avec l'histoire qu'on veut entendre? Un peu, oui. D'accord. C'est un rapport avec la fête. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec des courses automobiles? J'ai l'impression de voir un circuit. Mais c'est vrai que c'est une fête, vous avez raison, en quelque sorte. C'est la fête de quelque chose. Il est l'organisateur de quelque chose. Oui, 50 points, ça monte à 50 points. Est-ce que c'est l'organisateur d'une fête qui a un rapport avec la nourriture? Du tout. Avec le sport? Non. Avec la musique. Allez, avec... La musique. 60 est-ce que ça avec le printemps de Bourges. Avec le football. C'est... Le printemps de Bourges. L'organisateur du printemps de Bourges. J'ai dit avec la musique. 60 points pour ouais. Philippe Vandel. Oui, mais j'ai dit le printemps de Bourges. Oui, mais j'ai pas dit vous quand j'ai dit la musique. Bah, il s'agissait... Il est fort, lui, hein. Il s'agissait de Daniel Colling, qui est l'organisateur du Printemps de Bourges depuis la création du festival il y a 29 ans, puisque c'est le 30e Printemps de Bourges qu'on fête en ce moment à Bourges, qui est une fête de la chanson française et internationale, mais particulièrement française. Bravo Philippe Vandel. Ben voilà. Autre fête le 9 mai prochain, la Catherine fête... Colonna. La fête de l'Europe, ou fête l'Europe, c'est le slogan, le jeu de mots que vous avez trouvé. Merci à vous. Bravo Madame Colonna. Merci. À demain.